Rebonjour, dans cette nouvelle partie de The Evil Within, chapitre 9. Akumu, pas de clé, pas d'amélioration. Inspecteur Castellanos. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Vous gémissiez dans votre sommeil. Vous avez fait un cauchemar. Alors, chapitre 9, je me souviens plus trop. Mais je crois qu'on va se marrer. Enfin, faut dire, tous les chapitres sont un véritable plaisir. Et ah, par là. Évitez de perturber les autres, je vous prie. Profitez des belles performances des comédiens qui donnent tout ce qu'ils ont. Vous n'avez pas bonne mine. Mais je t'emmerde au pire. Sans déconner, quoi. Ah oui, il y a ça. Petit journal? Non. Ouais, c'est bon, j'ai sauvegardé il y a 10 secondes. Allons-y. Les souvenirs sont très fugaces. Ceci est une crosse de fusil. Pervertis par les autres. C'est pourquoi très belle crosse de fusil, ouais. Je préférais la crosse de fusil en toute honnêteté. Bien la nouvelle déco. Vous avez vu un fantôme, on dirait. Oui. Oh. Journal. Incident tragique. Des enfants victimes d'un incendie. Les jours de la jeune fille sont en danger. Où étaient les parents? Des enfants jouant dans une grange du domaine Victoriano ont été brûlés au troisième degré. La jeune fille de 17 ans est toujours dans un état végétatif. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Ouh. Oiseau! Ah, c'est le chapitre où on joue à cache-cache. On joue à cache-cache? Oui. C'est toujours super sympa
les modes de difficulté où t'as plein de caisses et y a jamais rien dedans. Oh, c'est... Y a un truc ? Ouh, pièces détachées. On aime bien voir des pièces détachées. Alors, à la chasse aux statues. Pourquoi me direz-vous et pourquoi pas? Je vais marcher dans un piège à ours, je vous le garantis. Pièces détachées. Je me souviens qu'il y a une statue dans un des arbres. Ah bah la voilà. Mais... Caméra ! Et voilà. Et j'ai pas mal de souvenirs de ce jeu en vrai. Ça c'est un jeu qui m'a marqué ça. Ah oui, j'avais pensé faire ça. Bah la prochaine fois que je sauvegarde, je vais montrer qu'effectivement il n'y a pas d'amélioration. À la moitié du jeu, je pense que c'est bon bail de montrer. Enfin bon, après, vu la quantité de gel vert que je me trimballe, je pense que c'est un bon indicateur déjà. Ouh, fusil à pompe. Ok. Grenade, est-ce que j'en ai ? J'en ai deux ? Oh. C'est sur les allumettes qu'on n'a pas beaucoup de... Mais ouais, je crois que je suis obligé de monter dans la chaise pour montrer que tout est au niveau 1, mais sinon... comme ça, nature, je crois. Bah, de toute façon, on voit bien que. Mon stock, c'est le truc de base. Les seringues, voilà quoi. Clairement. Clairement, on voit qu'on en est au minimum syndical. Parce que les gens qui sont malins, ils mettent des points dans le stock. Hey, arrêtez-vous! Quoi encore? Ah voilà. Eh oui. Pour ceux qui savent pas, ce jeu est par le créateur de Resident Evil. Enfin, un des créateurs de Resident Evil. Alors, coupure de presse du Crimson Post. Un enfant et sa nounou victimes d'un incendie tragique à Crimson City le 11 février 2012. Malgré l'arrivée rapide du KCFD et leurs efforts acharnés, un incendie brutal et dévastateur a coûté la vie à une fillette et sa nourrice hier après-midi à Crimson City, dans les environs de Park Ridge. Lily Castellanos, 5 ans, et sa nourrice Juanita Flores, 56 ans, n'ont pas pu échapper à la fumée et aux flammes qui ont rapidement carbonisé le pavillon.
Les parents de Lily, tous les deux inspecteurs du KCPD, se sont précipités sur les lieux mais n'ont rien pu faire pour porter secours à leur fille. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie qui a entièrement dévasté les lieux. Ces causes font toujours l'objet d'une enquête, mais les premières investigations semblent privilégier la thèse d'une défaillance électrique. La suite, page 8, incendie. Bon. C'est un jeu empli de drames et d'incendies. Quoi, tu savais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne devriez pas utiliser votre gel vert ? Non. Enfin, je vois pas ce que tu veux dire. Le gel quoi ? Tu veux que je monte dans ta chaise qui fait peur ? Écoute, je vais vous montrer. Du coup, là, j'ai l'occasion de monter dans la petite chaise. Et là, j'améliore un truc. Sans faire exprès. Donc là, aptitude, voilà, tout est niveau 1. Tout est niveau 1. Le stock. L'agonie. Voilà. Je ne fais pas des petites fourberies hors live où je m'amusais à améliorer des trucs en scred. Quel serait l'intérêt ? Hop là. Ah, bouteille. Ah, un aime la pécole. Note de la salle à manger du manoir. J'ai enfin réussi à trouver l'accès, la porte menant à un nouveau monde. Les détails sont tous là. Ils ont toujours été là, sous mon nez. Je suis à la fois consterné et furieux de ne pas les avoir vus plus tôt. Le procédé permettant de briser la psyché humaine et de l'anéantir pour en prendre le contrôle est tellement évident. Et maintenant que je sais exactement comment y prendre, j'ai l'impression que c'est tout ce qui compte. Tout ce que je cherche est à ma portée. Tout ce que j'ai perdu, mais j'ai besoin de ressources. Gymnase, cet imbécile, va me servir à quelque chose. Eh bien. Oui. Pas de gel vert. Ouh, un tuyau. Ah, mais oui. C'est parti. Je reviens. Tatiana. Sauvegarde, s'il te plaît. J'ai début d'amorcer un piège. Je vous attendais. Je suis désolé, mais j'aime trop les ressources. Bon, même si je suis sûr à 98% que, en fait, ce piège, il m'aurait été plus utile à le faire péter sur les ennemis. Mais bon, au point où on en est, j'ai quand même deux bouteilles. Elle est où ma bouteille ? Allez. Oh, bonjour. Lui, c'est un petit fifrelin, lui. Non. C'est un petit fifrelin. Il est où ? Il est là. Fifrelin. Il fait voler les... Ouais, c'est bon. Et où ? Voilà. Alors, c'est aléatoire. Et si monsieur nous touche, c'est la mort.
Mais bon, enfin, après, tout est la mort, mais... Mais lui plus. Bon, ça, je vais le laisser là pour l'instant. Ah, mais oui. Ah, sur cette étagère, il y a une petite statuette. Eh oui. Les souvenirs, les souvenirs. Voilà. Qu'avons-nous là ? Non. Oui. Sujet numéro 58, test 92A. Non. Placement d'électrode dans la zone de douleur. Laissez-moi. M33. Inefficace. De meilleurs résultats sont à prévoir en stimulant la zone F7. Ne me poussez zone pas. Du consentement néocortex. Laissez-moi. F7. D'accord. L'imprégnation du sujet n'a réussi qu'en partie. Certains traits de personnalité persistent. Donc, là, il y a ça, là, il y a ça. Donc, ça doit être genre ici, à peu près. Voilà. Bah tu viens de... Comment disais-tu ton jardin secret ? Ton propre laboratoire ? C'est très impressionnant. Que faites-vous là ? Je ne vous ai pas invité. Allons, nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres tes expériences, je t'en montrerai d'autres. Ça ne vous plairait pas. Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écœurants aux yeux des profs. J'ai fait bien des choses que d'autres trouveraient de mauvais goût. Je sais que vous me prenez pour un monstre. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Mais ton intellect, c'est tout ce qui importe. Je reconnais Marcello. Et l'autre serait Ruvik. Il ressemble à... Comment il s'appelle ? Il ressemble à ce gamin dans Monster. Bah, le fameux monstre, d'ailleurs. Le personnage titulaire. Et regardez comment c'est mensonger, là. Vous voyez la jauge bleue, là, comme elle est grande ? J'aimerais bien avoir une jauge bleue comme ça, moi. Bah, à la place, j'ai 3 morceaux. Je fais bien ça parce qu'il y a un checkpoint à 2 mètres, hein. J'espère que ça va me ramener là. Sinon, je vais être un peu déçu. Parce que les checkpoints, ils sont un peu... Non, c'est bon. Qu'est-ce que je viens de faire ? T'as dégommé le consentement, voilà ce que tu viens de faire. Oui, ton jardin secret. Mime-moi, maman, mime. Allez, donnez. Donnez les bombes. Merci. Et voilà, je me suis fait sucrer ma bouteille, tant pis. Ouais. Le mec, même pas une demi-seconde de réflexion, quoi. Fallait pas passer cette porte, Billy. Hein. Oui, s'il te plaît, je... Bon, d'accord, j'ai fait une sauvegarde en plus.
Bon, bouteille de pinard. Tiens, il y a quelqu'un qui est venu et qui a réparé tous les trucs. C'est beau ça. C'est dur de trouver du bon personnel. Le même liquide rouge. Du liquide rouge. Je me demande ce que ça peut être. Ouh, le Vasming. Non. Ouh, allumette. Ah, on respire. J'adore les munitions. Vous avez pas idée. J'attends impatiemment le moment où il y a monsieur... Monsieur le brûlé qui va venir. Bonjour. Non ! Je voulais ramasser le gel vert, je vous jure, monsieur l'agent. Salut. Lovely série. Comment ça va? Non, je foulais le gel vert. Ça va. On se détend avec un petit Evil Within. Putain, c'est terrible ce qui vient de m'arriver. Bon, on sait qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein. C'est beau. Allez, speedrun. Plein. Je peux me planquer sous la table? Ah oui, c'est un lit. Je repasserai plus tard pour récupérer ça. Alors, si je me souviens bien, il y a... Ouh, peut-être deux coffres. Note de la salle de musique du manoir. Deux mondes, séparés par un abîme irrégulier. Au-dessus, des spectateurs anonymes. Rien... Ah oui, rit de la tragédie. En dessous, les victimes impuissantes perdent tout. Ah oui, il faut que je trouve des machins. Alors attendez, il y avait des cadeaux là. Ah voilà, grenade. Et... Il n'y avait pas un petit carreau, il me semblait. Il me semblait qu'il y avait un petit carreau quelque part. Ah bah voilà, petit carreau. C'est tout. Genre c'est tout, le gars on lui donne des ressources et jamais content. Ouh, seringue.
Bon, ça fait longtemps qu'il est pas venu, le zigoto. J'irai pas jusqu'à dire qu'il me manque, mais... Mais bon, quand même, c'est bizarre. Quelque chose ne va pas. Je vais avoir beaucoup de chance, en vrai. Toujours ma bouteille ? Non, je l'ai fait tomber. Disparu. C'est probablement ça. Le moment opportun pour frapper. En fait, il attend que j'ai fait masse de progrès pour pouvoir me dégommer en un coup. Alors, bon, je pourrais aller par ici. Ou par là. Allez, on va aller par là. De droite à gauche. Non. Par là ? Ah, là aussi il y a une... Là aussi il y a une statue, je la sens. Oui, oui, c'est bien. Statue, statue. Ah, vous voyez ? Non mais... Vraiment ? Pour des clés que j'ai pas le droit d'utiliser en plus. Bon, de toute façon, les balles de flingue, ça sert à rien. Cadran inférieur de coffre. Un vieux cadran de coffre-fort porte les chiffres de 0 à 9. Oh, oui, d'accord. Oui. Oh, les belles peintures. Bah, peut-être qu'il faut... Donc oui, bon, alors là, d'accord. C'est peut-être le nombre de personnes représentées sur la peinture qu'il faut retenir. Bon, là, ils sont deux. Ah, ah bah voilà. Le voilà. Allez. On fait un petit tour ? On fait un petit tour ? Il est où ? Ah, il est là. Ça me fait toujours marrer quand il dégomme les chaises comme ça. Oui, bon, ça va. C'est mignon. Coquin. Je crois que... Ouais, hein, le miroir, j'ai pas accès quand il y a Ruvik. Ouais, c'est un salaud. Salaud. Mais c'est pas grave. On s'en est très bien sorti. Ah oui, alors là, il y a des monstres. Ça, je me souviens. Il y a genre un gars qui patrouille. Ça, vous voyez bien. Il y a Del qui vient de me faire un jumpscare. Ah. Petite ruse de Sioux pour récupérer un carreau en plus. Donc j'ai deux balles de fusil à pompe gratos. Mais j'étais sûr qu'il y avait des mecs ici. Ah voilà, là il y a des gars. Il est où, il est là. Eh, hey, Kuping.
Oh. Quoi? Excusez-moi. C'était rigolo. Non, mais la bouteille dans la figure. Vous en faites pas, on va s'en sortir. Quand même, ça me compte. Ça m'a compté le premier cadran, j'espère. Ah, j'ai plein de munitions, je crois pas en vrai. Non, bah non. Ouais, bah ils sont deux, c'est bon. Bon, il y a une partie de moi qui préfère ça en fait. Alors. Le mec, ouais, blam! Le verre. Je vais à bouteille, voilà. Ouais, non, mais des fois faut pas chercher. Mais je voulais le brûler à l'allumette. Je voulais le brûler à l'allumette, le gars il s'est fait. Le gars il s'est fait un blah. Je me lève instantanément. J'ai jamais vu un hanté se lever aussi vite de sa vie. Ouais, faut pas pousser mémé non plus, hein. Sachant que je m'inflige ça, alors que bon, j'ai largement de quoi les dégommer, mais j'aime pas gaspiller. Bouteille, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'ai deux bombes que j'ai pas désamorcées. Allez. Oh mais dis donc. Vous avez vu la vitesse à laquelle il se lève? Il y en a un autre? Oui. Bon celui-là. Il est où? Oh il est là. Bonjour. Ouais bah tiens. Il avait un copain. Et sa hache? Non? On en parle? Et là ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? D'accord. C'est ça hein. Bah c'est ça, voilà, bon, écoutez, ben voilà, hein, on va dire que le livre, la plume est plus forte que l'épée, le livre est plus fort que la hache. C'est pas grave, j'ai une bouteille de pinard. Que je vais pas ramasser tout de suite, parce que je vais m'en aller faire un petit tour là où... Oh si, je vais la prendre quand même en vrai, parce que si je croise du beau monde sur le retour... Dommage, je peux pas bouteiller Ruvik.
Oupla, je fais tomber ma bouteille. Chaque progrès est bon à prendre. J'avais oublié quelque chose. La bouteille, elle est là. Donc 2 et 11, on se souvient. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris ton truc. Hop là ! Non. On pourrait, mais après, faut bien les mêmes voir refaire les mêmes passages 50 fois. Oh non, c'est pas ça. Attendez, on va faire le piano. Putain, mais on sent que j'ai pas trop d'expérience dans le domaine du streaming, c'est mon chat qui fait la promo à ma place. Ou alors c'est que je fais quelque chose de bien, je ne sais pas. Mais oui, n'hésite pas à follow et à t'abonner, enfin tout ça, tout ça. Donc là-haut, c'est 11. Et en bas, c'est 2. Tout ça pour un jumpscare. Ouh, dis donc. Très cossu. Encore. Eh ben écoute, hein. Neurochirurgie. Sujet numéro 14, test 88C. Préparation limbique, troisième essai. Placement d'électrodes C4, stimulation du gyrus annulaire, centre de l'espoir. La stimulation de l'axe d'espoir accroît le contrôle sur la volonté du sujet, mais le contrôle ne suffit pas. L'espoir, il dit. Ok. Alors, j'y comprends R. Donc là, on a 3 petites électrodes. Tic, tac, tac. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc c'est sous celle-là. Donc on va dire que c'est à peu près... Oui, alors là, bon, il n'y a pas trop de... C'est à peu près là, quoi. Hein? C'est bon. Ah, clairement, ça c'est un gars qui a pas été trop gâté par le STEM. Oui, alors voilà, tu rejoins la conscience collective et ton rôle c'est d'être ce gars-là. Ah. L'hôpital n'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille cette année. Ça vous étonne ? Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution ? La famille Victoriano s'est toujours montrée très généreuse envers nous. Où sont tes parents ? Ils sont partis. Sais-tu quand ils doivent ? Vous vouliez me parler de quelque chose, docteur ? Je viens simplement de la part de l'hôpital pour t'informer que nous ne serons plus en mesure de te fournir des ressources. Tes recherches finiront très vite par s'essouffler. Vous osez venir chez moi pour me menacer ? Bah, dis donc, il a des grosses coronesses, lui, hein. Oh là là. C'est bon, c'est bon. Il est où ? On fait des petits tours.
Chat. Bon bah c'est moi le chat. La prochaine fois qu'il apparaît, c'est moi qui lui cours après, ok? C'est expéditif. À peu près aussi efficace que le hanté qui fait semblant de dormir. C'est pas grave. L'hôpital n'a pas reçu pas très loin. Habituelle de ta famille cette année. D'accord. Slash ignore. Bye. Waouh, vous avez vu un peu? Faut suivre le tuyau. Là, du coup, il y a des mecs. Non? Non. Bon, là, on entend des petits bruits. Bah, dis donc. Ah mais oh dis donc c'est pas gentil. Vilain. Genre les gars, c'est simple, je passe des bons moments. Genre je donne des grands coups de pied dans les portes, y'a personne qui bronche, je me faufile discrètement derrière eux, là par contre y'a du monde. Bon bah on va venir, on va sortir le gros, on va sortir le pampan et puis go hein. C'est bon hein. Je sais que de toute façon j'ai une balle de fusil à pompe qui traîne. L'hôpital n'a pas reçu la contribution. Oui oui bah l'hôpital, tu sais ce qu'il fait à la charité hein. Voilà. Tout en finesse. Oui, oui, vous vous amusez bien. Je suis très content. Hein ? Clic, clic, pan, pan, pan. Merde. Ça, c'est fâcheux. Non ? J'avais pas laissé une... J'avais laissé des balles de... J'avais laissé les balles de fusil, mais bon, bah, c'est dans mes rêves, faut croire. Ah, et c'est pour ça, les enfants, qu'il faut tout désamorcer. C'est pas grave, allez. Cette fois, c'est la bonne. L'hôpital n'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille. La bouteille. Ça... Contribution, hôpital, recherche. Clic clic pan pan pan. Tu sais, on entend qu'il y a des hantés partout, mais je ne les vois point. Alors les copains, venez. Venez me jouer. Voilà. Et le deuxième. Bouteille. Bouteille. Allez viens copain. Ah mais attends, il y en a un autre là-bas là. Oh mais il y en a plein, mais arrêtez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh il y en a plein de celui-là. Non. Viens. Bah dis donc. C'est dommage, l'allumette, là, elle serait passée. J'aurais été content de moi. Ouais, faut peut-être que je m'occupe des deux qui me suivent avant de faire le kéké. Je sais pas d'où ils viennent, d'ailleurs. L'hôpital n'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille cette année.
Ça vous étonne ? Mais rien ne m'étonne. Ils sont... Ah bah voilà, ils sont là en fait. Si je me cache derrière ça. Je suis bien caché là. Oh, il m'a vu. Salaud. Salaud. Viens. Voilà. C'est pas mal. Franchement, une affaire rondement menée sur ce coup-là. Quelque chose ne va pas. Après, j'ai envie de faire une dinguerie. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, il y a la bouteille qui est là. La bouteille. Voilà. Maintenant. On arrive. Bonjour. Est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux ? Non. Je pense pas. J'y crois moyen. J'y crois moyen, en fait. Mais bon, on va essayer quand même. Oh, le Dionk ! Bon, allez, vas-y, c'est bon. Oh, il lance des haches ! Pas beau ! Lui. Non, tu restes couché, toi. Eh, eh. Voilà. Une autre tâche. Oh. Oh, il a évité. Salaud. Merci. Quand même. Situation pas trop stressante. En vrai, il y a un monde où je leur fonce dessus et je mets l'allumette sur ce truc-là et ils brûlent tous les deux. Oh bon, ça c'est... Ah, ouais. Alors, attendez. Et là, plus vite. Note de la chambre de Ruvik. Je l'ai revu, debout, au bout du couloir. Ses longs cheveux bruns, toujours aussi beaux, nacrés par les reflets de la lune. Ses yeux, tels des billes noires sur son visage de porcelaine. Elle portait sa robe préférée, rouge comme un coucher de soleil écarlate, rouge comme un coup de pinceau meurtri sur la toile du crépuscule. Laura, évidemment, tu n'es pas morte. Spoiler, si. Sinon, on serait pas là. Ah, le petit... La petite trousse de soins. Oui. Bouteille. Il y avait une bouteille. Elle est où? Elle est là. Nina. Et voilà.
allumette. Vous avez vu, boire, c'est pas bon pour la santé. Faut boire de l'eau. Faut s'hydrater. Oh non. Oh non. Pas toi. Oh non. Non mais c'est... Non mais oh ouais, c'est bon. C'est biceps, Seb, l'asthme, attention. Et où? Et où? Et là. Bonjour. Oh! Oh! Pff. Ah, je vous avoue, ça m'aurait vraiment embêté de refaire, de se retaper les deux gars là. L'obsession de Ruvik pour sa sœur et les pièges à ours. Ah, ils sont jumeaux. Parce que quand on regarde sur les photos, un, ils se ressemblent pas beaucoup, et deux, elle a l'air quand même plus âgée que lui. Sur les images. Ah, va y avoir un truc. Ah, ça y est, ça me revient, va y avoir un truc. Au retour. Au retour, on rigole. Ou alors c'est là. Oui, c'est là, en fait. Il a essayé de m'amadouer avec le pinard, mais... Mais moi, je me souviens. Y'a du monde? Non. Ouh. Seringue. J'ai le verre? Non. J'ai le verre? C'est la relation fusionnelle qui fait penser ça, mais... Oh, trésor. Ah, il y a des cadeaux dans celui-là. Dans les autres, il n'y avait pas de cadeaux. On va y arriver, les amis. Pas très bonne mine, monsieur. Vous savez, pas trop besoin. Ah. Mais il n'a pas la force de supporter la pression psychologique que j'endure tous les jours. D'accord. Bah, vous savez, si vous voulez foutre les miquettes à un gars, vous n'êtes pas obligé de lui mettre des électrodes dans le cerveau. Hein. On a réussi, les amis, on a ouvert la porte. Bravo! Loin des yeux, loin du cœur. Mais oui,
Vous y avez cru. Moi, je n'ai pas cessé de penser à vous. Vous pouvez être fier de vous. À votre avis, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il avait un couteau devant son papa? Devant son papa? Ouh, il y a maman aussi, mais maman elle a moins bonne mine que papa. Je peux aller là-bas, je vais y aller parce que j'aime bien. Ouh, du gel vert. Ah bah voilà, oui, c'est très certainement ce qui s'est passé. Ça devait être leur anniversaire. Puis là, ils sont fatigués et ils faisaient dodo. Tout bêtement. La stimulation des régions corticales à fréquence maximale s'est avérée assez peu efficace. Les sujets hurlent sans discontinuer, mais ils meurent trop vite. Les tests plus précis donnent de meilleurs résultats. La seule question en suspens reste la région. Oui. Espoir, consentement, confiance. Trois d'entre elles sont décisives. Mais lesquelles ouvriront la voie? Bon, y a rien les gars. Hein. Franchement. Oh mais oh ça va. Quoi? J'ai pas de. Alors là je suis désolé mais je suis quand même un peu choqué. Je suis un peu choquer. Je sais pas ce que vous voulez dire, hein. Ruvik, c'est de toute évidence le gentil dans cette histoire. La porte devrait être ouverte. C'était un grand psychologue. Et c'est Bicep-Seb qui s'énerve. La porte devrait être ouverte. Oh, père. Si vous saviez à quel point l'expression sur votre visage me plaît. Bah voilà, c'est l'expression d'un père fier de son enfant. Je cesserai d'exister. Je sais pas pourquoi je vais là-bas, en toute honnêteté. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Bon, d'une part. Voilà. Maintenant, nous sachons. Le bon gel vert, oh là là. Dis donc. Ah mais dis donc, c'est pas gentil. Oh. La porte. Non mais qui s'amuse à fermer les portes derrière moi aussi? Oh là là. C'est honteux. Le mec, il tanque les explosions, il mange les balles comme des M&M's, et il y a le concierge fantôme qui ferme les portes derrière moi. La porte devrait être ouverte. Ouais, bah là, c'est toi qui t'es fait ouvrir, mon coco. Hein. Oh, père, si vous saviez à quel point l'expression sur votre visage me plaît. Toi aussi, ton expression me plaît, mon bichon. Je peux ramasser la bouteille? Merci.
plus je suis sûr, je vais là-bas pour rien. Ça, c'est pas le même bonhomme. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Ouh, j'ai le vert. J'aime trop le son que ça fait quand on ramasse le gel vert. Ah, tout ça pour ça? Oh, mais c'est nul. Bon. Oui. Eh ben, j'ai une hache. Voilà, donc on est content quand même. J'espère que je vais l'emmener avec moi dans le chapitre suivant. Ah, peut-être que... Ah, non, c'est bon. Incisé, tout du long. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Retirer la peau intacte. Les pensées de l'esprit. De quoi est-ce que tu as peur? Ah, monsieur Mouche. Ruvik. Oui. Oh, le cochon! Il se faisait une petite tête de porc, tranquille, hein. Qui c'est qui juge, là? Point de compte, lol. Ah ouais, monsieur Mouche. Attendez, je vais devoir me taper le... Attends, mais il est long à quel point, ce chapitre? Bah, j'affronte Monsieur Mouche, mais Laura, je sais pas. Non, non, Laura, c'est après. Là, c'est Monsieur Mouche. Je suis devenu Monsieur Mouche. Vorace, hein. Oui, le fameux moment dans... le fameux moment où faut semer Laura dans les labyrinthes, et si jamais tu crèves trop, le jeu, il a pitié de toi et il la spawn pas. Mais faut vraiment mourir beaucoup de fois. Ça m'est arrivé une fois. Et j'avoue... Oui, oui, oui. La tête de porc. Faut la faire cuire avant de la manger quand même. Allez, tu cours s'il te plaît? Au lieu de regarder comme un gland? Comme un gland? Voilà. Point de contrôle. Oh, oulala, oui. On rigole. On s'amuse. Oui, voilà. On passe par ici. Ah! Non, c'était pas par là. C'est tellement ça. Elle est morte d'ennui. Oui.
Oui, allez. Allez, Sebi. Mais oh là 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 là, le vol. C'est pas cool, ça. L'alcool, c'est pas cool. Genre, j'ai un bug, la hache est dans la main. Elle reste dans la main. Putain, moi je voulais le carreau explosif. Non, ouais, non, c'est interdit. Scotché. Bon, bah, je vais quand même ramasser les pièces détachées. Je crois que ces pièges, ils sont pas là. Hein. Dans le mode normal. Des mannequins. Il aime les mannequins. Non, mais je suis pas mort à cause de la cupidité. Je suis mort à cause de... J'ai une hache scotchée dans la main. D'ailleurs, comment je vais faire, là, du coup? Voilà, je fais comme ça. Ah, c'est bon, en vrai. C'est bon plan. Pas par là. Ah non, Monsieur Mouche. Il m'a eu. Mon tréfonds. Ta sœur, elle est morte, Ruvik. Oh. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Oui, la mouche. Monsieur Mouche, c'est parti. Voilà. J'ai pas désamorcé le bout, c'est pas grave. Rendez-moi mon frère, crie-t-elle dans le micro, avec la statue poussée à fond. Allez. Le chemin maintenant, c'est par là. Oui. Faut pas traîner. Ouais, oh. Oups là. Même. Voilà. Checkpoint. Dis checkpoint. Checkpoint.
Et voilà, les ganados, là. Mais que fait Léon ? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici ? Et pourquoi pas ? C'est bon, je peux changer d'arme maintenant ? Oui, je peux. D'ailleurs. Ah, donc je me suis fait pigeon. Bravo. Bon, moi, je commence le combat avec une hache. Et les haches, c'est bien. Carreau électrique, ça coûte cher, ça. Ah, il y avait un fragment de carte sur la table. Mince. J'ai le vert. Satané. Bon, de toute façon, le fragment de carte, j'en ai raté des tonnes. Je crois que j'ai tout ramassé, là. Ah non! Petit cadeau, là. Carreau aveuglant. Ben... On va pouvoir y aller. Allez, c'est parti! Je sais que tu es là. Je t'entends respirer. Je me souviens plus trop comment ça fonctionne, ce boss. Acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. Saleté de riche! Bah voilà, fallait pas être riche. Elle l'a même pas rattrapé, genre. Hé, hey, je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que... Mais... Ça prend feu vite, hein. Une grange, ça brûle bien, hein. Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Ruben! Tu dois grimper! Ouh, bah dis donc! Merde. Mais elle aussi, elle était couverte d'essence, comment ça se passe? Là. Oui, par là. Parfait. Allons-y. Oui. Et donc ? Le chat s'amuse. Comment je fais? Je tire dessus? Avec mon pistolet? Non. Je reste là, alors. Oui. Ouais, ok. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? C'est que j'ai mal visé. Ma hache. Mais ma hache! Bah, j'espère que elle est par terre, hein. Sinon, je suis pas content. Sinon, c'est pas bien. Mâche. Allez où?
Oui, bah... Ouais, bah le jeu, il m'a volé ma hache, hein. Bah, j'imagine que ça me permet de buter un des Glandoks. Mais je sais pas si je dois lui faire des dégâts ou si je dois me contenter de tabasser les... De tabasser les hantés. Je vous cache pas que je sais plus. Ouais. Ça fait quelque chose? Non? Ça n'a rien fait? Oh là là. Ah! Le feu, ça brûle! Voilà, vous l'aurez appris ici en premier. Le feu, ça brûle. Il a mangé ma hache. Non, mais tout ça... voilà, j'aurais eu la hache. Là, il serait déjà mort. C'est sûr. Là, on s'est fait voler, les enfants. Ouais, bon, d'accord. Je pense que ça sert à R. Oh, je peux les brûler alors qu'ils spawnent. C'est intéressant, ça. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous voulez un peu de feu dans votre feu? Mais... God damn it! Vous allez souffrir! Je souffre déjà. En plus, j'ai froid aux mains. Non? Mais putain, mais il faut savoir un peu, au bout d'un moment. Hein? Hein? Ouais, faut juste leur casser la figure, quoi. Ah, ça c'est pas gentil par contre. Mais... Mais dis donc, c'est quoi ces manières ? Bon, en tout cas, ça fait un petit bruit de sifflement à chaque fois que je dégomme les hantés, donc on va partir du principe que c'est ça qu'il faut faire. Quoi ?
Oh merde! Oh merde! Le feu! Le feu! Les mouches! Le feu! Rendez-moi ma sœur! Je vais vous offrir. Je vais vous nuke. Oh non, laissez-moi. Mais magnifique allumette. Mauvaise exécution. Ah là là, va falloir que je me dépêche. En plus, j'ai la contrainte du temps là, parce qu'il va falloir que je décolle, donc j'aimerais bien le battre avant. Bon, allez, on fait un essai. Et puis si ça passe pas... Ouais, bah genre si je fais moins de 800, je suis content. Hein. Ouh. Ouh. Ah bah non. Oh là, on est tellement mort instant que allez un dernier. Ouais, en vrai, non, j'ai pas le temps. Bon bah désolé les amis. Bah on finira le. Ah, ok. Bon d'accord. Ok, bon. J'étais pas clair, j'étais pas où. Ah oui, je peux les mettre sur eux carrément. Ouais, j'ai juste besoin de battre ce gars-là et après c'est fini, je pense aussi. Il est parti. Oh non, là, non! Ah, la mort. Je me fais avoir par le petit... par le petit truc qui pend. C'est terrible, hein. Oh, c'est le mec qui gigotait par terre. Salut personne. Ça va bien? Non ?
Bah, ok. Ah, je devrais les chaîner en vrai. Je devrais les chaîner. C'est ça que je devrais faire. Pour qu'ils soient bien paqués, et puis après je mets une grenade ou un carreau qui gèle, et puis comme ça on passe un bon moment en famille. Merde! J'ai eu un... Bon, clairement, il y a un plan, là, et qui se dessine. C'est juste... Faut que je pense à en crafter un autre tout de suite après. Après carreau gelant, et après au lit, voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Oh, mais après je rentre dedans, mais quel idiot aussi! Idiomane! Faut dire que j'ai trop peur de me mettre sur les bords. Voilà. Hop. Voilà, il est où? Il est où? Hein? Mais Monsieur Mouche! Mais... Ok. Bon, j'avoue, c'était pourtant si simple. Bah voilà, vous retiendrez la strat si vous voulez faire la même chose chez vous. Électrique into frost. Je veux. Béatrice, on en a déjà parlé. Béatrice. Je me remets pas de ma hache. Là, j'aurais pu la voir encore. Et voilà ! Chapitre 9 terminé ! Eh ben, merci à tous ceux qui sont venus. C'était un plaisir. Moi, je vais du coup vaquer à mes occupations. Je reviendrai sûrement en fin d'après-midi.
ou en début de soirée. Et puis comme ça, on pourra enchaîner sur le chapitre 10, qui, je suis sûr, est très très sympa. Comme tout le reste du jeu, d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas de follow si ça vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye.